légère embellie sur le marché de l'emploi dans le Val d'Oise. Après une année 2020 marquée par une hausse du chômage de 8,7%, soit plus 8830 personnes, la tendance s'inverse, moins 0,2% au premier trimestre 2021. Au total, ce sont désormais 110 530 personnes qui sont enregistrées à Pôle emploi dans les catégories A, B et C. Cette baisse du nombre de demandeurs d'emploi est un peu plus importante dans la catégorie A, celle des personnes n'ayant exercé aucune activité professionnelle. À la clôture du premier trimestre, cette catégorie affiche moins 0,4% pour atteindre 80 130 personnes. Des évolutions favorables qui ne s'appliquent cependant pas à toutes les tranches d'âge. Chez les plus de 50 ans, qui représentent près d'un quart des demandeurs d'emploi, le chômage progresse de 0,3% et concerne 27 820 personnes. Et si le chômage est en léger recul, le nombre d'individus inscrits en formation, enregistrés dans la catégorie D, lui affiche une forte hausse, plus 13,4% en 3 mois, pour atteindre 5 090 individus. Sur un an, la tendance est encore plus forte, plus 38%.